Yo, tout le monde se fait de ça pour une petite vidéo en AVA, donc je vais vous montrer en fait un truc assez débile que j'ai fait. Si vous voulez, en AVA, on se fait souvent multi, tu vois. Et quand tu multi, il y a deux possibilités. Soit les mecs en face, c'est des merdes, donc tu te dis que t'as moyen de gagner. Ou soit, bah, tu te dis, bon, je me fais multi, c'est quoi? Je fais durer. Et moi, je suis le mec qui part du principe que faire durer, c'est quand même pas mal bien, parce que, certes, c'est chaud pour toi, parce que t'as deux mecs sur ta gueule, mais au final, c'est vraiment... C'est rentable, tu vois. Parce que là, je tiens deux mecs. Vous allez voir. Ça fait déjà. Oh merde, je fais le con là. Je vais aller là. Tu vois, ça fait déjà 6 tours que je les tiens. 6 tours et je suis encore full vie. C'est n'importe quoi. En fait, les sorts de l'Helios, si tu veux, ça se fait en fonction de la Vita Max. Et j'ai mis un mode avec 6000 et quelques Vita Max. Bon, le mode n'est pas du tout terminé. Et j'ai même pas mis le Dofus Ivoire. L'idéal, ça serait que je vire le nomade parce que j'ai pas besoin de PM avec ce mode. Donc je vire le nomade, je rajoute un ivoire. Et ensuite, je mets des vrais anneaux parce que là j'ai mis les anneaux que j'avais. Je vais mettre un Paul Wagnos PM, donc enfin, comme ça j'aurai le PM qui me manque. Si tu veux, il est ouvert Vita, donc j'aurai 2000 Vita, enfin 200 Vita en plus. Ça va équilibrer les résistances, donc je vais virer le Cram Cram et mettre le Pecky. Ça fait que j'aurai un mode quasiment à 6700, 6800 vitalité. Ce qui est quand même. Ma foi, plutôt correct. Après, j'ai zéro dégâts, tu vois. Mais ils tapent. C'est comme s'ils tapaient dans le vide, frérot. Je suis encore full vie. Ils sont en PLS. Ils sont en PLS. Allez, viens là. Je m'en fous. Va où tu veux. Non, il veut pas. Tac. Tac, normalement si je dis pas de conneries. Est-ce que ça réduit les dégâts ou pas? Non, ça marche pas. Bon, c'est pas grave, je fais des tests, je m'en fous, je suis full vie, y a aucun souci à se faire pour moi les gars, ne vous inquiétez pas. Allez, je suis full vie. Bon, il m'a. Oh non, j'ai oublié de me caler là, putain, tonton, j'ai été con. Parce que le Emerald, enfin le. Ouais, le Emerald il proc. Vous voyez, ils sont encore deux sur moi, ils arrivent pas à me tomber, c'est n'importe quoi. Et lui au full vie, c'est n'importe quoi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez ça ridicule ou pas? Ouais, les dégâts qu'il met, putain, tu vois, il y a double vulné sur ma gueule, c'est pour ça qu'il tape aussi fort. Après j'ai mis un bouclier précieux justement pour tanker les dégâts au corps à corps, parce que les trois quarts des gens jouent en Elisael. Là tu te dis putain frérot, là t'es mal, t'as pris trop cher, mais non mec, je suis archi bien. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Continue mes vulnés, je m'en bats les couilles, hein, voilà, vulné, t'es heureux. Donc du coup, lui, ça va être la mule à vulner. Tu veux pas te coller à moi, s'il te plaît? Non, il ne veut pas. Du coup. Du coup, là, on va réduire les dégâts qu'il va occasionner, vous allez voir. Hop, moins 20% de dégâts. C'est plutôt sympa. On va se donner un DP en plus. Pourquoi pas, on peut le faire, donc on va le faire. Est-ce que je tape, je suis mieux soigné à la Sika ou à ça? La Sika nous soigne un peu mieux. Et on va se placer ici. C'est plutôt tranquille. Vous voyez, ça fait déjà 8 tours. Contre un sacré full terre avec un panda qui met des vulnés. Et du coup, regardez, moi je tiens deux mecs. Imagine dans la live, par exemple, il y a 3-4 gars qui font ça. On tient deux mecs. C'est n'importe quoi. C'est. Je sais pas pourquoi il se fait des transferts de vie, je pense qu'il va essayer de ce petit pupu, mais si ce petit pupu c'est pas vraiment dérangeant. Je comprends pas ce qu'il fait là. Vous voyez, ça fait déjà 4 minutes que je vous parle, sachant que j'ai commencé, j'étais déjà au T6. C'est débile, franchement c'est débile. Donc voilà. Helio full vie. Helio full vie, c'est la vie. Ouais, je vais équilibrer les raids, je vais faire un mode peut-être mettre. 7004 de vie, je m'en fous, je veux pas taper du tout, je veux pas avoir de dopu, je veux rien avoir. Je veux juste avoir de la vita et des résias en mode full débile. Comme ça, quand les mecs ils vont m'attaquer, soit je sais que je gagne et du coup bah je mets le vrai mode, ou soit je pense perdre et du coup je mets le mode troll. Attendez, je passe petite créa vite fait, là-bas c'est le totem 3. On va se mettre là, on va réduire les dégâts du sacré, hein, parce que c'est lui qui tape. Ouais, c'est lui qui tape. On va se soigner encore et toujours.
Qu'est-ce qu'il y a à faire? Il n'y a rien de mieux à faire. On va se redonner des PA. On peut même se payer le luxe d'un debuff. Ah non, 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 tu te debuffes après t'être donné des PA. Mais ouais, mais sinon je pouvais pas le faire. Et pourquoi je me debuff? Au moins j'ai plus la, les vulnés. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, le mec il a 20% de dommages réduits. Donc c'est totalement pété. Je suis à son CAC donc j'ai le bouclier. J'ai quasiment du coup. Regardez les dégâts qu'il va faire, c'est un sacré. Regarde, Tema il tape rien. Décimation c'est censé t'arracher la tête. Et c'est pas lui, hein, c'est pas lui qui est nul. Il a un perso qui est vraiment très intéressant. C'est juste que le mode full vita comme ça, bah, c'est totalement débile. Hein. Vraiment, y a rien à dire. Donc, du coup, je vais le soigner un peu pour pas qu'il se petit pupu, histoire de faire durer au maximum possible, le combat. Et si je vois qu'on gère, tu vois, voilà. Ils ont rien fait de leur AVA. Et c'est pas moi qui m'ulti, moi j'ai agressé, je vais faire du 1 contre 1, tu connais les bails, tu vois. Il a décidé autrement, y a pas de problème, bro. Ouais, du coup, on va re-réduire les dégâts. Voilà. On va se redonner des PA. Bon, c'est un peu répétitif, hein, mais. Voilà, c'est Dofus, hein, les gars. C'est. Tu vois, donc on va le soigner, on s'en fout, on est gentil. Voilà, on dirait, ils m'ont pas tapé du combat. C'est trop marrant, mec. C'est vraiment rigolo. Est-ce qu'on essaie de les taper un coup, voir ce que ça donne? Ah, si je tape rien et à plan. Ouais, juste pour la blague. Ouais, je suis full vie, j'ai rien à faire de mieux. Est-ce que je me suis donné les PA ou j'ai fait le connard? Non, c'est bon, je m'étais bien donné les PA. On va demander leur avis. Un mot à dire pour ma petite chaîne YouTube. Après, tu vois, normalement ils vont pas insulter, c'est pas des gamins. Après, voilà, tu multis, c'est t'assumes ton multi. Moi, tu multis pas, je joue mon vrai mode. Après, tu veux faire le gamin en multi, frérot, bah tu payes pot cassé, comme on dit. Allez, il me reste 4600 vitam à sans érosion, mais tu peux pas. Tu peux pas me test. Tu peux pas me tomber. Aïe! Ah, il me vu le nez. Ça, c'est pas gentil, monsieur. En 4-4. Ok. Est-ce que je me débuffe ou pas? Déjà, on va réduire les dégâts. On va se débuffer un coup. On va se donner les PA. Et on va se re-soigner un coup. Donc, j'aurai encore une vulnée. Mais ça va. Si tu veux, ça va le forcer au tour prochain à refaire la vulnée. Donc, du coup, c'est. J'aurais pu faire le cancer. Genre, aller là, l'attirer. Comme ça, il est collé à moi. Et j'ai double émeraude. Mais bon, on va pas non plus abuser. On va pas non plus abuser. Je vais dire merci à mon guild 2, Pank Pank le beau gosse. Et en plus, dis-toi, là tu vas dire ouais, mais c'est parce qu'il joue de manière débile et tout. Dis-toi juste une chose, poteau. La map, elle est petite. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es sur une grande map, ça serait encore plus marrant. Normalement, il va aller là. Hop. On va aller là, on s'en fout. Mettre un portail ici. Oh non, ou là je vais lui donner un portail, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On va se kawatt ici. Oh, on est combien? Ouais, on a gagné la VA. Bravo à vous MDR, parce que vous êtes quand même pas mal Abyss à la force de voler les membres de toutes les guildes possibles. Vous arrivez à faire quelque chose d'assez conséquent, c'est plutôt cool. Non, mais dis-toi en fait, si c'est sur une grande map, gros. Imagine, la map elle est géante. Comment tu veux qu'il me tombe? Genre là, c'est une petite map, donc je peux pas fuir, tu vois. Mais imagine une map. Enfin, j'ai pas d'idée de map en tête. Mais une map géante. Comment ils font? Comment ils font? Et franchement, mais. Voilà, je suis plutôt vraiment satisfait de ce mode de cancer, j'appelle ça. Du coup, on va le mettre en PLS. Ah, le sacré, c'est au petit pupu! Le sacré, c'est au petit pupu, ouloulou! Bon, du coup, on va le dégager, tout simplement. Voilà. RIP.
On va neutral. On va remettre un totem ici. On va se soigner. Il pourra pas encore la placer, la pupu. C'est du cancer. Et surtout, très important en AVA, ne passez pas vos tours, les gars. Ne passez pas vos tours. Et voilà. Donc c'était une combat. Bon, elle est pauvre, hein. C'est super passionnant. Au bout d'un moment, je vais abandonner parce que j'ai pas que ça à foutre non plus de ma vie, mais. Et ouais, te manque un PM, frérot. Tu peux pas. Tu peux pas, tu peux pas, Tess. Ah, l'épée volante. La fameuse. Elle fait mal en plus, hein. Cette épée-là, elle fait beaucoup mal. Ça se dit pas beaucoup mal, mais elle fait mal, quoi. On va encore lui réduire les dégâts. Si je ne me faille pas, bien sûr. Allez. Ciao. Je vais même pas lui réduire. Oh, il m'a pesanteur! Oh, le brain! Bon. Du coup, on va aller là. On va 6K ici, comme ça. Le sacri sort de sa zone pupu. Ouais, t'inquiète, je le mets dans ma chaîne, gros. C'est un combat tellement intéressant que je suis vraiment attentif à à tout ce que je fais. Du coup, ouais, le sacré n'est toujours pas au petit pupu. J'ai pas de vue le nez. On est tour 14, les gars. Tour 14. Est-ce que tu t'en rends compte, putain de merde? Je demande. Je peux en lâcher deux. Ouais, je demande parce que tu vois, faut pas non plus trop lâcher vite. Allez, j'abandonne. Tu vois, je peux tenir encore longtemps, vraiment, parce que je me refous full vie, y a pas de souci, quoi. Mais j'ai tenu 20 minutes parce que j'abandonne. C'est n'importe quoi. Bref, à plus, tout le monde, c'était François pour la technique du tryhard. Allez, ciao, gros.